balobi mama mardi ne mama mardi ne balobi shop Africa Union ezo teka nyoso biloko ya ya wanani yo kongole oligi ne kola yo a sali sa yote pona kolia na yo moko babone la yo pona mtoto na yo moko ya ele popo babone la yo balobi bio bio Africa Union ezo teka tuta kola na basiwa sino kolia pa ya sino kolia ni Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver aujourd'hui, face à face, premier numéro de la semaine. Je reçois un ancien fonctionnaire de douane, Godempo Ikadima, président de l'Assemblée provinciale, professeur, détenteur de plusieurs diplômes. Avec lui, nous parlerons aujourd'hui sur des questions politico-économiques et sur des questions d'organisation même de notre société. J'aime bien parler avec lui parce que, au-delà de la politique, il vous parle de la réflexion d'un État. Comment l'on construit un État, jusqu'où nous pouvons aller et donner même le sens à notre existence. Vous avez le livre que j'ai pris le soin de lire, c'est le facteur perturbateur de la monnaie en RDC. C'est la question qu'on se pose. Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi au Congo on achète notre propre monnaie? Je crois que le professeur répondra à toutes ces questions-là. Professeur, comment allez-vous? Très bien, mon ami Christian, j'ai l'occasion faisant les larmes, je te présente le meilleur et meilleur. Je vous le rétorque aussi. À ta chère épouse, à ton fils. Oui. À l'ensemble de tes collaborateurs. Et moi, je le fais sans oublier tes nombreux téléspectateurs. Partout dans le monde. Oui. Et moi, je le fais à tous vos administrés, d'ailleurs, que nous sommes, de la ville de Kinshasa, vos fidèles et vos nombreux fidèles. Alors, pasteur, encore une fois, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les titres les plus élevés que je porte dans ma vie, c'est celui de pasteur. Ah, celui de pasteur. Oui. Vous préférez le pasteur. Oui. D'abord, actualité oblige. Le pays souffle sous le rythme de l'union sacrée. Mais jusque-là, je ne vous vois pas encore dans l'union sacrée. Est-ce que vous êtes dans l'union sacrée? Est-ce que vous êtes en dehors de l'union sacrée? Très bonne question. D'abord, je crois que les gens qui connaissent ma façon de travailler ne peuvent même pas me poser cette question. C'est comme si moi et le président de la République, nous étions déjà dans l'union sacrée avant l'union sacrée. Et l'union sacrée, ce n'est pas seulement le fait que certains opportunistes cherchent à rejoindre le chef de l'État. Moi, dans mon entendement, parce que j'étudie un peu les discours politiques de notre président, que les Kinois et Kinois appellent affectueusement Fatibeton. Donc l'union sacrée, dans mon entendement, c'est la réunion de tous ceux qui aiment le Congo, qui peuvent accompagner les présidents de la République dans son action salvatrice, parce que tous ceux qui l'ont côtoyé ne vont pas me contredire. Quand vous parlez avec lui, vous sentez qu'il est déterminé à faire bouger les lignes en République démocratique du Congo et accélérer le développement de notre pays. Alors, donc, pour moi, je considère que tous ces gens-là qui viennent, ils viennent nous rejoindre, moi et le président, parce que nous sommes dans l'union sacrée. Mais vous n'avez jamais fait une déclaration dans ce sens-là. Non, c'est ça la différence. Donc moi, oui. Je suis pasteur, je suis professeur d'université, ne me demandez pas être folklore comme les autres. Je vais d'abord m'expliquer. Je t'avais dit, et je vais encore le répéter, c'est que moi, j'étais candidat indépendant. D'accord. Avec les contraintes du Seuil, nous avons dû créer rapidement un parti politique, la LDIC, avec mon président, l'honorable Jean-Luc Moutokambali, que je salue.
C'est à la veille des élections. Quand on a imposé les seuils, nous étions obligés de créer ces partis. Et au niveau de notre parti, la LDIC, nous avions trois principes. C'est que nous créons notre parti politique pour accélérer le développement du Congo. Mais la politique étant par essence un rapport de force, nous nous étions dit ceci. En tant que jeune parti, nous ne pouvons pas faire de l'opposition. Sinon, on va nous écraser et nos pensées ne passeront pas. Donc, si je refais l'opposition, vous n'aurez pas pu découvrir qu'on pouvait encore faire arrêter les gens du fait des détournements dans ce pays. Parce que j'ai apporté la révolution gestionnelle dans ce pays. Les gens peuvent ne pas le croire, mais c'est ça la vérité. C'est avec moi, ma modeste personne. Lorsque j'ai dit moi, c'est derrière moi, mes collègues députés provinciaux, qu'on a commencé à traquer les détourneurs des biens publics dans ce pays. Alors, c'est ce qui fait qu'après les élections, de la même manière que tous les autres partis avaient fait alliance avec les partis au pouvoir, c'est à ce titre-là que nous avions également fait signer un accord avec ces partis. Nous avons évolué. Le président de la République dit qu'il se retire de cette coalition qui était devenue problématique. Pour quelqu'un de sensé, ça ne servait à rien de faire des déclarations de manière impromptue. Il fallait analyser les choses froidement. Je t'ai dit, moi je suis pasteur, je suis quand même professeur, je ne peux pas me comporter comme tous les autres. Nous avons, au niveau de notre parti, nous avons convoqué une réunion pour tirer les conséquences du retrait des caches de cette coalition. Quand nous l'avons fini au niveau de notre parti, il y a 3 jours, nous nous sommes retrouvés au niveau de notre regroupement politique. Et notre regroupement politique a 16 partis politiques. 9 se sont prononcés pour notre adhésion à l'Union sacrée. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce que j'ai dit est capital et vital. Aujourd'hui, mon regroupement politique a levé l'option de soutenir le président, de soutenir le chef de l'État. Mais nous ne pouvons pas le faire comme les autres. Parce que au-delà des gens, il y a des gens bien autour du chef. Mais les autres, ce sont les opportunistes, ce sont les gens qui n'ont aucune conviction. Ben, quelle est la différence aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la différence? Parce que la fois passée, vous avez rejoint le parti au pouvoir parce que c'était pour besoin de rapport de force. Vous n'avez pas besoin de faire l'opposition. Et là, vous regagnez encore le chef de l'État, c'est-à-dire que c'est encore lui qui dirige. Est-ce que c'est toujours par refus de faire l'opposition? Parce que sachant que si vous restez dans le FCC, vous allez être dans l'opposition. Est-ce que c'est le refus systématique de faire l'opposition? Non, je vous dis, moi je m'assume. Si j'ai été FCC pendant les 18 ans, je pouvais en assumer la responsabilité. D'accord. Je ne suis pas comme les gens qui se renient pour des petits intérêts. Vous n'avez jamais été FCC? Je vous l'explique. Ouais. Je ne le renie pas, j'ai toujours expliqué, mais les gens, lorsque le fond n'est pas bon, chacun entend ce qu'il veut entendre. Je vous dis que moi, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. Moi, au-delà de ma thèse en économie, de mon poste donc en finance publique, j'ai écrit une thèse en sciences politiques. Donc, c'est-à-dire que j'ai le temps de réfléchir. Donc, en sciences politiques, il y a une théorie qu'on appelle la théorie de l'agence. Donc, c'est cette théorie qui fait voir qu'aucun parti politique ne peut réussir à diriger seul un État lorsqu'il n'a pas de majorité. Et c'est sur fond de cette théorie que les alliances se font en politique. C'est comme ça dans tous les pays du monde. Notre alliance que nous avons, donc l'alliance que mon regroupement politique d'ailleurs avait signé dans le cadre du FCC, obéissait à cette théorie. Mais lorsque la coalition explose, il faut en tirer les conséquences. Et pourquoi? Et surtout, d'abord je vous dis, est-ce que moi, quand vous m'avez vu travailler, est-ce que vous m'avez vu travailler comme les anciens dirigeants? Donc c'est pour dire, c'est pourquoi moi je suis de ceux qui pensent que les gens qui viennent dans l'Union sacrée
vous rejoint. Nous rejoignent, moi et le président de la République, parce que nous avons été les seuls qui avaient pris les risques de traquer les fossoyeurs. Alors, on va arriver dans le cadre de la traque de fossoyeurs, mais je voudrais que l'on revienne sur la question. Pourquoi vous n'avez jamais fait partie du PPRD, par exemple, ou du FCC dans son ensemble? Bon, c'est comme vous l'avez dit, c'était d'abord une question de conviction. Non. Moi, quand je suis arrivé en politique de manière hasardeuse, je sors d'une conférence économique, nous sommes à la veille des élections. Je vois l'honorable Jean-Luc Moutoukambali qui m'interpelle, me dit, mais avec tout ce que tu fais, je pense que nous devons nous engager politiquement. Je lui avais dit, moi j'étais fonctionnaire, je ne voyais pas comment je pouvais embrasser la carrière politique. Donc ce qui est devenu notre parti politique par la suite, était d'abord un centre de réflexion. Donc c'était un mouvement qui réunissait les gens de part et d'autre. J'étais arrivé au constat qu'il y avait des bons dans l'opposition et des mauvais. Il y avait encore des bons et des mauvais par rapport à ceux qui étaient au pouvoir, mais les bons étaient minoritaires. C'est ainsi que je m'étais dit que je ne pouvais pas chercher à m'engager dans l'un des grands partis, parce que ce sont des gens qui avaient déjà eu une ligne de conduite. Et tout ce que j'ai posé comme acte, si j'étais membre d'un grand parti politique, on allait m'écrabouiller. Alors, c'est ainsi que, pour ces raisons-là des convictions personnelles, j'étais d'abord candidat indépendant. C'est ce qui fait qu'à la veille des élections, nous avons transformé prestement notre mouvement, qui était en fait un mouvement citoyen, on a transformé ça rapidement en parti politique pour contourner l'essai. Et puis d'aider, moi je ne pouvais pas rejoindre les grands partis. Parce que dans ces partis-là, lorsque vous arrivez à la veille des élections, on vous suspecte. On croit que vous êtes venu... Opportuniste. Moi je ne le serai jamais. Alors, mais... Je ne le serai jamais, mais tous ceux qui m'ont vu à l'œuvre, ils ont compris que moi je suis du côté... Je suis du parti du peuple. Alors dites-nous... Donc moi je suis du côté de la population. Alors dites-nous, professeur, aujourd'hui... Qu'est-ce qui a fondamentalement créé l'Union sacrée? C'est autour de quelles idées, autour de quelles valeurs? Parce que le président de la République, quand il a pris le pouvoir, il a dit si haut que Kabila était son partenaire. Ils ont cheminé ensemble. Même à Brazzaville, il a dit que tout allait bien et il n'y avait pas de problème. Mais subitement, on sent une fracture. Quelles sont les raisons fondamentales de l'Union sacrée? Bon, malheureusement, je ne suis pas le président de la République, mais là, je vais... Analyser comme je vais analyser comme scientifique. Oui. Donc, je crois que tout le monde s'est rendu compte que il y avait blocage. Il y a eu plusieurs événements qui ont. C'est pour la toute première fois qu'on a vu à l'Assemblée nationale les gens débattre du discours du chef de l'État. Nous avons dénoncé ça à ce temps. C'est pendant cette période-là, qu'on a vu des gens faire des leçons au président de la République et on s'adressait au président de la République par les officiels, comme si on s'adressait à un enfant. Donc, on avait senti que c'était malsain. Okay. Nous avons dénoncé ça poliment à son temps, mais comme nous n'étions pas concernés, parce que moi, je n'étais pas le président de la République, je crois que toute personne décensée va... constater que la faute n'est pas venue du président de la République. Objectivement, oui. Il était de bonne foi, mais on voulait le prendre pour un enfant. Et je crois que sa décision était quand même justifiée. Mais... Personne ne pouvait accepter ce que le président avait supporté. C'est pourquoi moi j'ai toujours conseillé aux uns aux autres de l'élégance institutionnelle. Donc vous pouvez avoir votre éducation, il faut la garder ça pour la famille. Lorsque vous faites, vous gérez les affaires de l'État, il y a ce qu'on appelle la morale publique. Le président de la République, c'est le symbole de la nation. Lorsqu'on ne le respecte pas, c'est-à-dire on ne respectera plus personne dans ce pays. Est-ce que la politique, la gestion qu'on avait des autorités morales,
Tantôt, c'est le FCC qui a son autorité morale, les ministres font exactement ce qu'ils pensent. Tantôt, c'est le président de la République qui dit des choses qu'il doit supplier, ainsi de suite. Comment fallait-il arrêter la chose? Est-ce de la manière dont le président a procédé, ou il y avait un autre moyen, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus consensuel, beaucoup plus catholique, pour arrêter cette anarchie? Bon, lorsque... Moi, j'ai été reçu aux consultations parce que nous avons été les premiers à être consultés contre la volonté de nos chefs politiques. Moi, j'avais proposé au président de la République trois pistes parce que je parlais au nom de la République. D'accord. Donc, je lui avais dit qu'il avait trois possibilités. La première possibilité, c'était de faire revenir ses partenaires à la raison, pour qu'ils comprennent que son échec était leur échec. Mais chaque approche avait des limites. Je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait devant témoins. Nous étions avec les fêtes Pascal Mokuna, les pasteurs Baruti Kasongo. Vous auriez pu me mettre reçu deux fois en tant que président de des assemblées, quand ils ont reçu. Là, c'est quand les gens se sont ressaisis après. Ah, d'accord. Parce qu'au départ, on disait que personne ne doit partir. D'accord. Mais moi, le premier jour, j'avais pris ma liberté en tant que pasteur. Je suis respectueux des hommes et des structures. Je me rappelle encore de combien on vous a attaqué, combien les gens ont raconté. Les gens ont raconté. Vous êtes discipliné, Makila et Gangui, non, tout ça. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que nos enfants doivent avoir de l'avenir. Exact. Et moi, les avantages, c'est que ce que j'ai dit publiquement, c'est ce que j'ai dit en privé à mes chefs. Okay. Mais poliment, bien sûr. Alors, quand on a reçu les présidents des Zambes professeurs, moi j'étais en Afrique du Sud, et je ne voyais pas pourquoi je devais revenir, parce que ce sont les mêmes qui nous avaient attaqués quand nous avons été reçus. Exact. Qui se ressaisissaient après. Donc, comme quoi les malheurs de ceux qui se réveillent très tôt, c'est d'avoir comme d'interrogateurs que des oiseaux. Alors, j'avais dit, et les témoins sont là, je cite l'évêque Pascal Mokuna, le pasteur Baruti Kasongo, l'évêque Jiba Mapia. Et alors, j'avais dit au président qu'il avait trois pistes. Revenir à la raison, faire revenir ses partenaires. Ses partenaires à la raison, pour qu'ils comprennent que les bilans sera partagé. La deuxième possibilité, c'était de faire basculer la majorité via la gensification. Via quoi, là? La gensification. Ça veut dire? C'est la théorie de l'agence. Ah, d'accord. Donc, en fait, la théorie de l'agence, elle s'applique en économie, elle s'applique en sciences politiques, elle s'applique même en football. Donc, dans la gensification, vous cherchez des partenaires lorsque vous sentez que vous n'êtes plus en position d'exercer les monopoles sur un marché ou dans une organisation déterminée. Et la troisième piste, c'était la dissolution de l'Assemblée nationale. Et là, j'avais insisté que c'était les paris les plus risqués. J'avais demandé qu'il devait s'entourer de toutes les garanties nationales et internationales pour s'assurer que ça pouvait marcher. Et pour tout acteur politique, il avait constaté qu'il y avait blocage. Et ça ne profitait pas à la population. La politique, on ne l'a fait pas pour nous-mêmes. La politique, on l'a fait pour la population. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, il avait... Non, je ne vais pas quand même, mettre sur la place publique les secrets de l'État. Et nous tous, nous avons appris qu'il avait opté pour la deuxième position, la gentrification. Et quand il a opté pour cela, c'est là qu'il voudrait dire que les accords que nous avons signés dans le cadre des coalitions devenaient caduques et que chaque regroupement devait reprendre sa liberté. Exactement. Donc, moi, les gens voulaient que je puisse faire du folklore comme les autres, non. Moi, alors, Si vous me demandez aujourd'hui d'insulter les anciens dirigeants, c'est que vous allez me demander un jour d'insulter Fatih. Exactement. Ou alors vous avez... Je n'ai pas cette éducation-là. Alors, mais parce que vous avez parlé de la gentrification, oui. Est-ce que ça a été fait exactement comme vous l'auriez voulu, comme vous l'auriez souhaité, non, scientifiquement? Non, j'ai aimé. Hein. Ça a été fait avec méthodo. D'accord. J'ai aimé. Ça a été fait avec méthodo.
Et nous, si on avait pris du temps, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle la discipline et la culture organisationnelle. Lorsque vous appartenez à un corps, vous pouvez avoir un point de vue, mais lorsque vous êtes mis à minorité, il faut savoir s'assumer. C'est ainsi que quand cela a commencé, nous avons eu un débat en interne, d'abord au niveau de mon parti, parce que je suis secrétaire général. Quand nous avons fini, on a amené les débats au niveau de notre regroupement politique. Tout ce que je peux vous dire maintenant, que le PV qui m'a été présenté là, la semaine passée, atteste que sur les 16 partis de mon regroupement politique, 9 ont levé l'option d'adhésion à l'Union sacrée. Mais les autres n'ont encore rien dit. Non. La démocratie, c'est la loi de la majorité. C'est aussi accepter les autres. Ah, c'est aussi accepter les autres. Donc, si vous ne voulez pas, c'est que vous n'êtes plus des regroupements, c'est clair. Alors, les autres, maintenant, parlons de cette réqualification de la majorité. Certaines personnes parlent de la corruption. On a vu des députés accepter d'avoir obtenu, faire passer aux aveux, dire qu'on leur a donné 16 000 $, d'autres 30 000, d'autres 15 000, d'autres 5 000. Alors, est-ce que ce n'était finalement pas l'achat des consciences? Est-ce que ce n'était pas des menaces finalement? Godempo, si vous ne venez pas, on vous fera éjecter de votre poste de président de l'Assemblée provinciale. Est-ce que ce n'est pas ça, ce n'est pas de cette façon-là que le président a procédé? Non. Les menaces n'étaient jamais venues du chef de l'État qui est quelqu'un de très bien élevé, tout le monde le sait. Ça, c'était quelques opportunistes, en fait. C'est eux qui étaient des cofondateurs du FCC. Et quand ils traversent, ils commencent à nous menacer, nous. Moi, je ne pouvais pas me précipiter parce que là, même toi, dans ton cœur, là, tu sais que s'il y a 10 personnes qui pensent au peuple congolais, j'en fais partie. Donc, je n'avais aucun intérêt. Vous avez vu les gens qui étaient même des cofondateurs du FCC qui nous attaquaient, nous. Mais ça ne nous a pas ébranlé. Nous avons attendu. Parce qu'il fallait faire des choses. Comme je le disais avec Metodo, lorsque vous appartenez à un corps, il faut respecter ses principes. Nous avons suivi la procédure. Et aujourd'hui, même si vous posez la question au diable, dans les conflits politiques qu'il y a eu, le diable vous dira que le président Fatih a raison. Il a été très patient. J'aurais été à sa place, je n'aurais pas attendu 2 ans. Et pourquoi il a attendu, selon vous? C'est la patience. Un homme d'État, c'est la patience. Et j'ai beaucoup appris de cette patience. Alors, parlons maintenant de l'Église avant de quitter les chapitres politiques. Où se situe l'Église aujourd'hui au cœur de ce problème de l'Union sacrée? L'Église est avec l'Union sacrée ou l'Église est neutre, elle ne regarde pas, elle ne prend pas position? L'Église congolaise est plurielle. Okay. Hein, l'Église est, d'ailleurs, nous, au niveau même des Églises de réveil, je suis le président du Conseil des Églises. Mais il y a plusieurs tendances qui échappe à mon contrôle. Et lorsque vous allez dans les 8 confessions classiques, vous verrez qu'il y a plusieurs dissidences. Donc, les constats actuellement, je parle au moins au nom du Haut Conseil des Églises de Réveil, nous, au niveau du Haut Conseil, nous soutenons l'Union sacrée. Parce que, en fait, nous ne soutenons pas l'Union sacrée par le plaisir de le faire. C'est tout simplement parce que nous nous rendons compte que le président de la République est soucié des soucis des Congolais et qu'il veut accélérer le développement de ce pays. Avec les mêmes personnes qui ont détruit ce pays. Non, je crois que ça, c'est vraiment autre chose. Oui. Hein. Donc, je t'ai dit que la politique, c'est à la fois une science et un art. Donc, il faut savoir être scientifique. Il faut savoir quand être scientifique et quand être artiste. C'est pour dire que actuellement, le président ne peut pas apporter grand chose s'il n'a pas la majorité à l'Assemblée. Exact. Ça, c'est un fait. Donc, à ce moment-là, il faut se comporter comme Noé et prendre tout le monde. Mais tous ces gens-là, ce n'étaient pas des abîmés. En fait, je l'ai toujours dit et je voudrais encore le répéter, qu'en psychologie, il y a ce qu'on appelle la théorie du miroir. Le support ne fait que ce qu'il a vu faire son chef. Tous ceux qui côtoient le président de la République, moi je ne le côtoie pas beaucoup, mais pour les quelques fois que je l'ai rencontré, vous sentez qu'il est, il n'est pas lié à l'argent. Il est désintéressé du matériel. Désintéressé du matériel. Et si ça continue comme ça,
c'est vraiment une mascotte développementaliste de la RDC. Est-ce que vous pensez que la réussite d'une gestion est liée au leadership, à la qualité du leadership? Naturellement. Ouais. Donc, j'étais toujours dit que lorsqu'on présente les organisations, elles ont fondamentalement quatre ressources. D'accord. Donc, pour qu'une organisation puisse... J'aime bien vous entendre dans ce domaine-là. Oui. Il faut... C'est pas comme là, je vois les gens qui parlent de la gestion sans connaître ni les sens ni les contresens. Oui. Donc, je disais que lorsqu'on parle des organisations... Elles contiennent quatre ressources fondamentales. D'accord. Nous avons les ressources matérielles. Nous avons, donc, lorsque vous me donnez une tâche, il faut que j'aie du matériel approprié. Il y a les ressources financières. Au-delà du matériel que vous m'avez donné, il faut que je puisse avoir de l'argent. Parce que l'avoir consolide le pouvoir. Et lorsque vous me donnez ces deux premières ressources, il faut me donner la ressource temporelle, il faut me donner du temps. Mmh. Donc vous avez fait de moi président, il faut me donner du temps. Oui. Même le Seigneur Dieu, la création du monde, lui avait pris six jours. Donc, il faut du temps. Il faut du temps. Au-delà du matériel c'est et de l'argent. C'est pourquoi en économie, temps. On dit que le développement est chronophage. Ce n'est pas parce que le président de la République est élu aujourd'hui. Tu dois tout faire aujourd'hui. Tout doit changer. Il faut du matériel. Même le Dieu Tout-Puissant. Et Dieu n'avait pas travaillé avec ses mains comme... Lui, il utilisait sa parole. Ça lui a pris 6 jours. Et encore, je voudrais vous dire que à l'époque où Dieu créait le monde, l'horloge ne fonctionnait pas de la manière actuelle. Oui. Le un jour là, c'est pas comme nous aujourd'hui. C'est pourquoi en économie, on dit que le développement d'un état est chronophage. D'accord. Même normalement, pour nous mettre au monde, il faut du temps. Il faut du temps. Et c'est comme ça qu'on évalue un gestion. Ce n'est pas comme là, vous voyez, tout le monde, non. Gestion, ça ne se fait pas comme ça. Alors, on a parlé. Et maintenant, la quatrième ressource, ce sont les ressources humaines. Et François Perrou dit que c'est la ressource des ressources. C'est ce qu'il voudrait dire, que dans chaque action managériale, il y a l'équation personnelle. Donc, tous les diagnostics qui ont été posés sur la démocratie, la gouvernementalité de la République démocratique du Congo atteste que nous avons des tares. C'est d'abord un problème des dirigeants qui sont indisciplinés managérialement et qui ont tendance à s'enrichir. Et ensuite, nous n'avons pas la fureur de vaincre. Alors, le fait déjà d'avoir un président, du moins, ce que nous constatons maintenant, qui n'est pas attaché au matériel, c'est une qualité qu'il faut exploiter et faire diffuser davantage. Donc, c'est un faux débat pour ceux qui nous disent que le président ne réussira pas parce que ceux qui composent l'Union sacrée sont les mêmes personnes qui ont détruit. Non. Ça dit qu'ils ne comprennent pas. Donc, aujourd'hui, vous pouvez demander, même si vous résistez Machiavel, il va vous dire qu'il fallait passer par là. Mais là où le président doit jouer maintenant, c'est au niveau du gouvernement et des entreprises. C'est là où il faut rationaliser les castings. Il faut garantir les avantages, le goût aux élus de la population, mais faire comprendre également à tous ces alliés qui sont venus au niveau de l'Union sacrée que pour que nous puissions réussir, nous devons aligner les meilleurs d'entre nous. Alors là, maintenant, c'est votre charge, c'est votre responsabilité, vous, les propriétaires de partis politiques. Le président de partis politiques. Oui. Envoyez les meilleurs. C'est à ce moment-là. Éviter le népotisme, le clientélisme. Il faudra un casting. Si le casting est réussi au niveau du gouvernement, si le casting est réussi au niveau des entreprises, de l'administration. Donc, c'est le départ. Mais est-ce que vos partis sont. Parce que vous avez. C'est le nouveau départ. Vous avez écrit sur l'administration publique, vous avez écrit sur les Sciences Po. Mais dites-nous, pasteur, est-ce que les partis politiques sont des leviers de développement de notre pays aujourd'hui? La difficulté qu'il y a au niveau des partis politiques, c'est que toutes les personnes bien, comme vous là, vous fouillez la politique. Vous dites la politique salit les gens. Non, on refuse d'être dompté. Non. Parce que là, on va aller servir le fils de, le cousin de, la copine de... C'est ça les défauts. C'est ça le problème. Plus, vous qui avez le profil exigé, parce qu'à chaque métier correspond un profil, lorsque vous fouillez la politique, vous laissez les champs libres.
Ousignar. Je ne veux pas dire ça comme ça. Non, ça c'est toi. C'est ton vocabulaire. Hein. À chacun son dictionnaire. Je le retire. Oui, oui, oui. Donc c'est ce qui fait maintenant que nous sommes dirigés par ceux qui sont disponibles. Ah, vous avez voulu intelligemment parler de disponibilité. Donc maintenant, ouais. C'est vraiment donc, une question de vous réinterroger. Pourquoi vous vous abstenez? Donc si tu ne t'occupes pas de la politique, elle s'occupera de toi et à sa manière. Mais comment les partis sont créés, pasteur? Parce que les partis sont créés autour des hommes. C'est maman, la présidente des ligues des femmes, le fils, le président des ligues des jeunes, les couples, les copains. Mais moi, je vais te dire, tu es mon ami, Timé, souffre que je puisse te tutoyer parce allez-y. Que même les deux tout-puissants, nous les tutoyons chaque jour. Allez-y, pasteur. Avec tout ce que tu as comme aura, avec tout ce que tu as comme intelligence, qu'est-ce qui t'interdit de créer un parti politique? Ah, peut-être ça, les moyens. C'est ça. Non, les moyens, il faut toujours les créer. Oui. Les moyens, il faut les créer. Donc, à un certain moment, il faut oser. Nous avons pris les risques. Oui. J'ai abandonné mon bureau climatisant. Et pas dans la DGDA. Quel... Oui, pas n'importe quel. La régie des rêves. Donc, chaque jeune, chaque Congolais. Oui. Mais aujourd'hui, nous acceptons. Des fois, on raconte des faussetés sur vous. Mm. Mais ça ne change rien dès lors que... Je ne me reproche de rien, je suis droit dans mes bottes. Et c'est pourquoi, si tu ne crées pas un parti politique d'ici 2023, je vais te recruter de force. Ben, je créerai. Alors, je créerai. Je vais te recruter de force. Parce que, et puis là, j'interpelle nos amis qui sont dans la diaspora. Oui. Les gens des tatillons, donc, je ne parle pas de ces médaillés de bronze. Donc, je parle des médaillés d'or. Donc, des gens bien. Des gens qui ont fait des études exigeantes, des gens qui ont suffisamment d'éthique. Je demande à ces gens-là d'envahir le champ politique. Il y va de l'avenir de notre pays. Donc je ne dis pas qu'actuellement, il n'y a pas assez d'experts dans les cercles politiques. Je n'ai pas dit ça. Mais il faut en avoir davantage. Alors, et à ce moment-là, l'environnement deviendra concurrentiel. Parce qu'aujourd'hui, comme tu es en dehors du parti, là, à moins que le président s'impose, quand il est en dehors du parti, c'est difficile d'exercer le pouvoir d'État. Et cette intelligence va rester seulement pour ta femme. Tu l'expliques la constitution et pourtant la population en a besoin. Très bien, parce que. Tu sais que toi, là, si tu étais à la Cour constitutionnelle, beaucoup de choses auraient changé. Je crois aussi. Je vais prier pour ça. Oui, il faut prier pour nous. Je vais prier pour ça. Je connais votre pertinence dans la prière et ça va nous aider. Alors, pasteur, il faut continuer dans la logique. En fait, il faut prendre un élément important. Les gens sont en train de mourir à l'est du pays. Encore que plus tard qu'il y a cela, deux jours, on a égorgé des femmes, on a égorgé des enfants. Et les gens voudraient savoir comment faire pour arrêter cette histoire à l'est de la République. Vous qui avez vécu avant nous, on nous dit qu'à l'époque, à un certain moment, on n'entendait pas des coups de balle là-bas. On ne tuait pas à l'est du pays. Les villages n'étaient pas décimés. Mais aujourd'hui, nous vivons avec ça, ça fait plus de 20 ans. Comment faire pour arrêter cette histoire et redonner la paix, la vie, le sourire aux populations de l'est de la République? Bon, je te comprends parce que tu es trop jeune. Je vais te rappeler la géographie militaire de la République démocratique. Allez-y. Parce que tu vois, chez nous, moi, ce que j'aime chez toi, c'est que tu as un esprit propre. Et on peut réfléchir ensemble. Ouais. Ici, ça tire dans tous les sens. Ouais. Donc, lisez la géographie militaire de la République démocratique du Congo. Vous aurez remarqué qu'à l'ouest, nous avons une base militaire. Au Congo central. Au sud, nous avons une base militaire, notamment la base de Kamina. Mais quand vous êtes dans l'est du pays, il n'y a aucune base militaire. Ah, ça, je n'avais pas remarqué. Non, il faut réfléchir. Donc, la politique, ce n'est pas les injures qu'on a dans les médias. Donc, la politique, c'est une question de cerveau. À l'ouest et au sud, on a de bases militaires. Alors, oui, ces partis ne sont pas dérangés. Ça explique tout. Oui. Alors qu'à l'est, ça explique tout. Oui. Donc, lorsque vous laissez la porte ouverte, vous avez tout arrangé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut faire à court. Donc, ce n'est pas toujours bien de décliner ma petite identité. Donc, moi, je fais des cours de stratégie militaire. Ok. En plus de tout ce que vous connaissez, vous avez fait encore les stratégies militaires. Je fais les cours de stratégie militaire. Donc, je ne parle pas comme la rue. Mais je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. Donc, rien que cela explique tout.
Donc, nous n'avons... Lorsque vous êtes au Congo central, il y a la base qui tourne. C'est ainsi qu'en stratégie militaire, les gens qui veulent vous attaquer, ils commencent par étudier cette configuration. Ils ne viendront jamais au Bas-Congo parce qu'ils savent qu'il y a une base là-bas. Mais ils ont osé. Ils ont osé. Oui. Ils ont osé en 2008. Et vous en connaissez l'issue. Donc, ce sont la guerre est une affaire tellement importante qu'on ne peut pas la laisser entre les mains des militaires seuls. Est-ce que vous... Donc, c'est ce qu'explique l'une des raisons, c'est parce que de ce côté-là, il n'y a aucune base militaire. Il fallait en créer certainement. Alors, maintenant, il faut en envisager une non loin d'ouvrir à là-bas. Ça va discipliner les gens. Mais, comme on ne va pas construire la base militaire maintenant, le complot, il est international. Ça demande beaucoup pour construire une base? Oui, ce n'est pas du jour au lendemain. Hein. D'accord. Il faut la logistique. D'ailleurs, je voudrais préciser ici qu'il y a une différence entre la base militaire et les camps militaires. Donc, ce sont des choses différentes. Ouais, parce que les gens, parce qu'ils confondent dans les camps, ils disent qu'on a beaucoup de camps. Dans un camp militaire, les militaires, ils vivent avec leur famille. Mais dans une base militaire, c'est l'affaire essentiellement des militaires. D'accord. Et on ne badine pas. Donc, c'est là où on trouve toute l'artillerie lourde. Alors, mais pourquoi, c'est quoi la différence entre une base militaire et un état-major général? Non, ça c'est l'état-major, c'est la coordination. Ah, d'accord. C'est la coordination. Donc, dans cette coordination, il y a notamment des... Parce que lors de la campagne, le chef de l'État avait promis d'aller installer l'état-major, les QG, à l'est de la République. Je crois qu'il... Non, il en a fait beaucoup. Ouais. S'il n'était cela, je ne sais pas. Il faut savoir que le chef a déployé beaucoup d'efforts de ce côté-là. Ouais. Mais maintenant, comme nous devons sauver les vies humaines, la grande bataille doit être engagée sur le front diplomatique. Mozito ne pense pas comme ça. Mozito pense qu'il faut aller à la guerre. Il faut demander au Congo de combattre, d'attaquer le Rwanda. S'il faut, je m'excuse, je n'aime pas parler des gens. Ouais. Tout ce que je te demande, c'est apprends à identifier scientifiquement tes invités. D'accord. Donc ça va, okay. Alors moi je parle des choses sérieuses, okay. Il ne faut pas m'amener dans ce débat politicien. D'accord. Vous n'allez pas vous battre contre le monde entier et les vaincre dans deux jours. Bah parce qu'il y en a d'autres qui estiment que le Rwanda nous menace, il faut répondre, il faut réagir. J'ai dit ceci, ceux qui nous menacent, ce ne sont pas ces micro-états, les complots internationaux. Donc il faut... également une riposte diplomatique à l'échelon international. D'accord. Il faut appâter les grandes puissances du monde. Techniquement, comment on fait? Donc ici, c'est question d'abord sur le plan diplomatique, d'obtenir des grandes puissances du monde, la cessation immédiate de cette guerre. Et lorsqu'on obtient ça diplomatiquement, évidemment, donc en politique internationale, les relations se nouent au gré des intérêts. Il faut impérativement. Donc les gens peuvent rêver. Nous parlons des choses scientifiques. Lorsque vous voulez régler cette affaire sur le plan diplomatique, il y a des concessions qu'il faut faire de part et d'autre. Mais ces concessions ne doivent nullement entamer nos frontières. Nullement. Mais avec un peu d'intelligence, il y a moyen de rassurer ceux qui nous en veulent politiquement sur le plan international, les séduire pour obtenir la cessation immédiate. Ces théories ont déjà marché dans un pays en proie de conflits comme les autres? J'ai été dit que toutes les guerres se terminent autour d'une table. Toutes les guerres. Donc, il faut s'engager sur le front diplomatique. Et quand on a toutes ces assurances qu'il y a sa cessation, pendant qu'on est sur le front diplomatique, n'oublie pas qu'aujourd'hui les multinationales font partie des acteurs du droit international et on négocie avec les États, mais on négocie également avec les multinationales. Parce qu'il faut réussir à ramener ces multinationales dans l'esprit. On doit leur poser la question, pourquoi vous préférez vous installer chez les voisins où il n'y a pas des intrants? Qu'est-ce que vous trouvez là-bas que vous ne pouvez pas trouver chez nous? On traite avec les États.
pour avoir la cessation. Et quand il parle des autres États, mais la stratégie a déjà payé en République démocratique du Congo. Nous sommes en 2002. C'est via la diplomatie que nous avons obtenu le départ de toutes les troupes étrangères de la RDC. Donc, c'est du concret. Rassurer les partenaires internationaux sur les plans politiques et sur les plans économiques, convaincre aux multinationales de s'installer dans l'est du pays. C'est là qu'ils cherchent du coltan, c'est là qu'ils cherchent de l'or qui vient ici, qui s'installe là-bas. Au lieu d'aller s'installer au Burundi ou je sais pas, au Rwanda. Tout ce qu'ils cherchent, c'est une question d'intérêt. Chercher à savoir qu'est-ce qu'ils gagnent là-bas, qu'ils ne peuvent pas gagner chez les vrais propriétaires des ressources. Entrer par la grande porte. Et ça va aller. Et pendant qu'on sera en train de faire cela, il faudra imaginer une base militaire non loin d'Ouvira. Et voir comment, en remontant vers la province orientale, notamment en Ituri, là-bas, en créant encore, vous verrez que cette guerre va s'arrêter. Et ici, je voudrais te parler en tant que pasteur. Tu verras que cette aventure va s'arrêter d'ici là. Si ils mettent à l'application vos conseils. Oui. Alors, on revient sur la politique à Kinshasa. Vous étiez vous-même visé par une pétition qui, par la suite, c'est... On a vu que ça fait l'effet d'un pétard mouillé. Alors, à un moment donné, on s'est posé des questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que vous êtes encore sur une chaise éjectable ou vous pensez que, bon, c'est encore une fois des vociférations inutiles et stériles des gens? Bon, je ne préfère pas parler des choses que je n'ai pas vues. En tant que président, je ne peux pas ramener les affaires de l'Assemblée dans les médias. Donc, j'en ai entendu comme vous, mais je n'ai pas vu cela. Donc je préfère ne pas parler de ce que je n'ai pas vu. Mais est-ce que vous êtes menacé politiquement? Plusieurs fois, oui. Plusieurs fois. Est-ce que les élus vous menacent aussi? Plusieurs fois. Non, les élus, on peut avoir des petites incompréhensions, mais je ne me fais pas d'illusions. Donc j'ai été élu dans cette assemblée le 11 mars. Le 11 mars 2019. Sur les 48 députés, j'ai été élu par 30 députés. Donc je sais qu'il y en a qui ne m'aiment pas. On dit que vous êtes... c'est des bonnes choses. Vous protégez les gouverneurs, ils vous supplantent, vous avez finalement ramené la copinocratie avec lui, c'est votre copain. Qu'est-ce que vous répondez? N'importe quoi. Il faut dire à celui qui te dit que je protège les gouverneurs, vous lui dites ceci. Il faut dire à ceux qui débitent, c'est son maître. Il faut leur poser la question que parmi ceux qui parlent là, qui a déjà interpellé le gouverneur et que j'ai bloqué? Qui lui a déjà adressé une question orale? Même pas une seule question écrite. C'est du tintamarre. Tu comprends? Moi, le léger avantage que j'ai, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais j'ai appris notamment la gestion. La gestion s'est définie comme étant l'utilisation rationnelle des ressources disponibles. Nous avons pris le pouvoir au mauvais moment. Où rien ne va. Il n'y a jamais eu de mauvais moment, il n'y a jamais eu de bons moments. Non. Avant le Covid, l'économie était prospère. Avant le Covid, l'économie congolaise était relativement prospère. Mais le Covid a tout détruit. Vous comprenez? Donc, il n'y a jamais eu copinage entre moi et le gouverneur. Mais moi, je suis partisan de la stabilité des institutions. Je l'ai dit à haute voix, je ne monnaie rien dans ma vie. Tu peux rencontrer le gouverneur et le faire jurer sur son honneur. Je ne lui ai jamais demandé 1000 francs dans ma vie. J'ai signé, l'année passée, j'ai signé au moins 50 ordres de mission. Lorsque les rapports me disent que tout marche, je suis qui pour marcher sur les rapports de commission? Mais vous-même, qu'est-ce que vous voyez dans le fait? Que voyez-vous? Voyez-vous que la ville de Kinshasa est bien ordonnée et bien gérée? Merci beaucoup. Je vous ai dit que moi, j'ai fait épais des gestions publiques dans ma vie. Et j'ai fait ça à l'étranger. La gestion voudrait dire l'utilisation rationnelle des ressources disponibles. Première année, nous avons un budget de 500 millions de dollars. Les 70% de ces budgets devaient venir du gouvernement central.
le gouvernement central a eu d'énormes difficultés avec le Covid et tel que je te parle, ça fait 9 mois que je n'ai pas reçu les frais de fonctionnement. Donc, pour quelqu'un qui a appris la gestion à l'école, pas sous l'arbre, que du résultat, du moyen. Donc, au regard des moyens dont dispose la ville, je trouve que ce qui est fait est acceptable. Parce que pour gérer, donc, les gens parlent des fois des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Même votre propre épouse, vous sortez le matin, vous ne lui avez pas laissé l'argent. Quand vous rentrez, il a préparé les chercheurs, vous vous exigez du caviar. Mais il y a un problème, ça ne va pas mal dans la tête. Mais pourquoi il y a des grands écarts entre le potentiel et la richesse matérielle ou ce Non, ça c'est une démarche qui doit être menée sur le plan national. D'accord. Parce que ce que tu dois comprendre, je le répète, les gens ne le savent pas, c'est que les budgets de la ville est subventionné à 70% par le gouvernement central. C'est-à-dire que quand le gouvernement central n'a pas de moyens, il n'y a rien. Dis à ceux-là qui te disent que les présidents protègent les gouverneurs. Le problème, c'est que moi, je suis un monsieur. Je ne fais pas la manche dans ma vie. Je te demande, tu peux rencontrer les gouverneurs, l'amener chez le cardinal, qui les gire sur son honneur. Il te dira que Godet ne lui a jamais demandé 1 000 francs. Et ceux qui te disent qu'on protège là, pose-leur la question. Qui a déjà amené ne fût-ce qu'une question écrite contre le gouverneur? Mais pourquoi le bureau n'a jamais initié des recherches, des contrôles? Non, je t'ai dit que l'année qui vient d'ici, tu peux passer à mon bureau. Oui. J'ai signé 50 ordres d'émission. Très bien, mais qui n'ont... Enfin, je ne veux pas amener les débats de mon assemblée sur la place publique. Moi, je suis un homme sérieux. Je ne fais pas la politique parce que j'ai échoué dans la vie. J'ai une foi à préserver. Il y a des choses que je ne fais pas. Je ne te demande pas de me croire. Oui. Il ne faut pas que quand les gens ont leurs problèmes privés, qu'ils m'instrumentalisent, moi. Quand tu viens, je te demande. Dis à tous ces gens qu'on t'amène un seul dossier. Quels sont vos rapports avec, le gouverneur de la ville? Mais nos rapports sont définis par la loi de 2008 sur la décentralisation. Individuellement, vous pensez que jamais vos relations ont supplanté le travail? Non, l'un s'en fout. On nous a appris. S'en fout. On nous a appris qu'il vous a amené dans un carré, dans un club de patrons de la ville de Kinshasa, Abed Achour, les Libanais, les Chinois et les autres. Tous ces gens-là viennent vous voir, vous allez le rencontrer, vous devenez un groupe. Non, je considère que c'est une insulte contre moi. Moi, je ne suis pas sorti de la rue. C'est une insulte. Ok. Et laisse-moi te dire, tu vois qu'à Kinshasa, il n'y a pas de patron. Lorsqu'on parle des grands à Kinshasa, c'est parmi les nains. Je préfère le dire pour que tu comprennes que je n'ai aucune... Donc, tous ceux qu'on nous raconte là ne sont pas... Non, n'importe quoi. Moi, je ne suis pas sorti de la rue. Il y a peut-être les gens qui sont sortis de la rue qui tremblent devant les Libanais. J'ai fait carrière à la douane, monsieur. Et je n'étais pas au bas de l'échelon. J'ai été le conseiller technique, le mieux écouté du très regretté Rugwiza Maguette. Donc, il ne faut pas me prendre, moi, comme les gens-là, qui quand ils voient... De tous ces gens-là, rencontre-les, ils disent que Godet n'a jamais demandé un seul fonds. Pasteur, dites-nous, pourquoi la ville de Kinshasa est sale? Écoute-moi avant que je réponde à cette question. Non, il ne faut pas me prendre. Moi, je suis professeur. Et ce n'est pas comme les professeurs ici qui achètent leur diplôme sur Internet. Il faut que tu puisses organiser une émission là-bas. Sur Internet, oui. Il y a de fausses universités sur Internet qui n'existent pas. On vous dit que cette université existe aux États-Unis. Aux États-Unis, elle n'est pas connue là-bas. Quand tu vas même à l'ambassade des États-Unis, on ne reconnaît pas ça. Qui distribue des doctorats aux Congolais. Moi, je n'en fais pas partie. Très bien, revenons-y. Donc, oui. Je n'en fais pas partie. Oui. Donc, il ne faut pas me prendre. Moi, mon ami, j'ai été le point d'information de l'Organisation mondiale du commerce dans ce pays. Je t'ai dit, pour que tu saches que il n'y a aucun opérateur économique qui m'a déjà remis un seul franc, je l'ai dit à haute voix. À Kinshasa, il n'y a pas de patron. Lorsqu'on parle des grands à Kinshasa, ce sont des grands parmi les nains. Très bien, on revient sur la question. Pourquoi la ville de Kinshasa est sale? Merci beaucoup. Oui. Merci. La ville de Kinshasa est sale, mais nous faisons beaucoup d'efforts. Je crois que même toi, je sais, je suis convaincu que les salles, nous faisons beaucoup d'efforts pour qu'elles deviennent propres. Quels sont les moyens que vous... Le premier élément qui rend cette ville sale,
c'est que la ville de Kinshasa produit 9000 tonnes de déchets chaque jour. Et les traitements de chaque tonne exigent au moins 30 dollars. Lorsque tu multiplies par 9000, il faut 270 000 dollars chaque jour. Par jour. Pour nettoyer la ville. Si vous prenez les 270 000, vous multipliez par 365 jours, on est dans... vous êtes autour de 300 millions de dollars. Donc vous comprenez que sur les budgets de 500 millions de dollars, les 300 millions n'allaient être affectés que à l'assainissement. Ces moyens-là, les 270 000 dollars, là, nous ne les avons pas. Comment une ville ne peut pas avoir ces moyens-là? Mais je t'ai dit, je t'ai présenté la charpente budgétaire de la ville de Kinshasa. Que vous pouvez changer, suis-moi. Non, non, ça ne change pas comme ça. C'est constitutionnel. Nous devions, en principe, avoir effectué une retenue à la source de 40% des recettes que nous générons. Mais la LOFIP a dit que pour matérialiser cela, il faut qu'il y ait transfert de responsabilités. Le gouvernement central ne l'a pas encore fait. Et malgré la bonne foi du chef de l'État, le Covid a fait que le budget national lui-même a été insuffisant. Faute de moyens, nous sommes en train de nous débrouiller comme nous en train de le faire. Mais nous ne dormons pas. Quand nous sommes arrivés, nous avons contacté des sociétés occidentales qui étaient prêtes à venir faire l'assainissement de la ville de manière professionnelle. Parce que lorsque vous êtes à Stockholm, ces déchets produisent de l'électricité. Oui, par exemple. Nous avons pris tous ces contacts et à peine que ces gens-là commençaient les études de faisabilité, il y a eu le Covid. Ils disent qu'ils ne peuvent pas venir dans ce contexte de risque sanitaire. Sanitaire. Donc, si ça s'arrête, vous verrez, il n'y aura plus les déchets. Si ça s'arrête, nous sommes à féliciter. Sans moyens, nous faisons fonctionner cette ville. On veut bien, mais comment donc, ça... Donc, sans moyens, oui. nous enlevons. Je sais que la ville est toujours sale, mais elle est moins sale que nous l'avons trouvée. Tu ne verras plus des montagnes permanentes de déchets. Ça, c'est vrai. Ça, on ne voit plus, mais... Il faut reconnaître. C'est-à-dire, le développement... Le développement est une démarche processuelle. Toute personne de bonne foi sait qu'il n'y a plus de montagne de déchets à Kinshasa. Je suis d'accord que la ville est sale, mais nous avons... Elle est moins sale qu'avant. Elle est moins sale qu'avant. Mais ce que j'ai dit là, il ne faut pas que les gens soient trop durs envers le président de la République. Il a pris son pouvoir dans un contexte économique trop difficile. Mais c'est le président, il faut qu'il fasse des travaux, il faut qu'il fasse beaucoup d'efforts. Non, c'est pas comme ça. Ouais. Donc les efforts là, ce n'est pas comme on est en train de les crier sur la rue. Les ressources publiques se cherchent. Ouais. Vous avez vu que l'Union européenne, pour se maintenir, a dû lever sur les marchés financiers 750 milliards d'euros. Et nous irons lever ça où? Parce qu'il faut des garanties. Toujours dans la... Donc il faut quand même, ceux qui nous jugent, les personnes de bonne foi. Moi, tu sais pourquoi moi je ne réponds pas à toutes ces balivernes. Parce que je sais que le peuple me jugera par mon travail. Tout le monde sait qu'il n'y a plus de montagnes de déchets qui s'accompagnent. Mais les gens veulent plus, pasteur. Oui, c'est pour cela que je ne dors pas sur mes lauriers. Ils vous exigent plus. Et maintenant, la grande démarche et la grande prière, c'est que Dieu arrête ce corona. Vous allez voir cette vie. Très bien. Attends, continuons. Mais maintenant, il y a un autre élément. Mmh. Les habitants de Kinshasa pensent que le pasteur ne s'occupe pas de leurs problèmes, de leurs préoccupations. Il y a eu beaucoup de décisions, par exemple, des masques, des arrestations, ainsi de suite. On n'a pas entendu le pasteur parler sur la question. On a arrêté des gens parce qu'ils n'ont pas de masque. Ils devraient donner 5 000 francs. Mais il n'y a pas de quittance comme retour. On ne sait pas, on a payé à qui, on a payé comment. Mais est-ce que vous avez étudié le dossier avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, avec le général Kasongo, pour essayer de mettre vos administrés à l'abri de toutes les tracasseries policières? Bon, je crois que les gens doivent lire la Constitution. Je suis content s'il y a la Constitution là-bas. Lorsque vous lisez la Constitution dans ses articles décents à dessins, vous allez trouver qu'il y a là les attributions des provinces et les attributions du gouvernement central. La police ne relève pas de la ville.
Donc il faut que les gens... La difficulté, c'est que nous sommes dans un pays où tout le monde passe dans les médias. Mais le commandement vide. J'ai dit le commandement vide, ça dépend de vous. Suis-moi. C'est un problème complexe. Oui. La difficulté que nous avons dans ce pays, c'est que tout le monde, tout celui qui a les dons d'injurier et de mentir, peut passer dans les médias. Quand tu suis France 24, là, tu as déjà vu un bougre passer sur le plateau de France 24. Donc, la police ne dépend pas du gouvernement. La ville n'a pas une police. La police dépend du gouvernement central. Oui. Lorsque nous avons des plaintes, nous devons passer par le gouvernement central. Et encore, là, faudra-t-il relever que les mêmes problèmes de moyens se posent également au niveau de la police. Je referme la parenthèse parce que j'ai entendu les gens raconter des balivernes sur les centres d'épuration d'eau qu'on est en train d'ériger devant le stade de Marty. Vous savez, dans la vie, vous ne pouvez pas tout connaître. Et pour ceux que vous ne connaissez pas, consultez les experts. Comment cette affaire a commencé? Moi, je suis à Johannesburg. À mon retour, je trouve qu'il y avait une clôture de tôle qui était érigée sur ce site très stratégique pour la ville de Kinshasa. De manière émotionnelle, comme tout le monde, j'ai appelé le gouverneur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a donné des explications. Comme je n'étais pas convaincu, je lui ai demandé de m'envoyer les experts qui travaillent sur le site. On m'a envoyé les experts de l'UNESCO. Des professeurs, s'il vous plaît, au vrai sens du mot. Quand j'ai reçu ces gens, je n'étais pas seul. J'étais entouré d'une vingtaine de députés. Ces profs nous font voir les risques que nous courons dans ce pays. Okay. Le fait que tous les déchets sont déversés dans le fleuve du Congo sans traitement, le taux d'acidité de nos eaux est en train d'augmenter. D'une manière telle que, si on ne crée pas les centres d'épuration d'eau, dans 10 ans, il n'y aura plus d'eau potable. Et les poissons aussi partiront. Et les poissons vont mourir. Vont mourir, ok. Donc, vous voyez, il y a quelques personnes, je ne peux pas, à aucun moment, je ne parlerai à mal de mes amis députés. Mais je ne rêve pas, je sais que à l'Assemblée, il y a 48 députés que je respecte, qui sont très compétents. Mais je n'ai été élu que par 30. Donc je sais qu'il y a les 18 qui m'attendent au tournant. Mais il faut, on doit dire la vérité à la population. Ça, ce sont les études menées par l'UNESCO. Et si tu suis l'actualité ces derniers temps, tu verras qu'en Israël, il y a les mêmes problèmes. On est en train de transformer l'air en eau. Pourquoi? Parce que l'acidité de la Méditerranée a augmenté d'une manière telle que certaines provinces israéliennes n'ont plus d'eau potable. Il faut impérativement un centre d'épuration pour que nous puissions avoir de l'eau potable et garder, protéger notre écosystème, notamment les poissons. Est-ce que vous avez été convaincu par les explications des experts? Mais c'est un prof français. D'accord. C'est un prof français qui tient un discours cohérent. Et avant de partir, je vais t'envoyer en soft ce qui sera érigé à cette époque. J'aimerais bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons trouvé que le projet était très alléchant pour la ville. Et on ne construit pas ces centres seulement ici. Ça s'est fait aussi à Brazza. Là-bas, il n'y a pas de problème. Mais c'est ici que tout le problème... Non, c'est jamais vu. Où tout le monde est expert. Expert en tout. Alors, maintenant, ces gens de l'UNESCO me disent ceci, mais c'est le président. Il s'agit d'une technologie zéro odeur. Malgré quel que soit ce qu'on va faire là-bas, il n'y aura pas des odeurs qui vont déranger. Et ils disent que si les jours où vous sentez la moindre odeur, nous allons casser les centres. Ils doivent être sûrs. Non, c'est l'UNESCO. L'UNESCO, ouais. C'est... Ils doivent être sûrs d'eux. C'est l'UNESCO. C'est l'UNESCO. Vous comprenez ce que ça représente. Oui. Ça dit tout. Alors, maintenant, je pose la question, pourquoi vous n'avez choisi que ce lieu-là? Vous n'avez pas amené, parce que vous allez attendre une certaine racaille et dire non, on devait amener ça à Maloukou, à l'Oxydra. Mais c'est incohérent. On ne peut pas tout connaître dans la vie. Je vous ai dit que moi aussi j'avais les mêmes réflexes, mais mon léger avantage,
C'est que pour quelque chose qui ne relève pas de mon domaine de recherche... Vous demandez un expert. Je cherche les experts. D'accord. Et il vous a dit pourquoi le choix là-bas? Il me dit ceci. Si nous amenons ça à Maluku ou à Kingabwa, l'avantage c'est d'amener tous ces camions de vidange à venir déposer les eaux usées au niveau du centre. Nous amenons ça dans un lieu où l'accessibilité est difficile, nous n'allons pas atteindre l'objectif, ils vont continuer à déverser ça dans les rivières. Tu sens que c'est plausible. Il faut l'amener là où les gens font des bêtises. Peuvent accéder fusibles. Ouais. Oui. Parce que pourquoi? Et nous, nous n'allons pas sortir même un seul franc congolais. C'est l'UNESCO qui prend en charge tout ce travail. Et après, il y a des camions qu'on va donner à la ville. C'est le premier centre. La philosophie, c'est d'avoir dans toutes les communes, mais comme il n'y a pas assez de moyens, il fallait placer ça à un endroit accessible à tous. Maintenant, entre l'avenir des Quinoises et Quinois et les caprices politiques, vous voulez que je choisisse quoi? Le choix est clair, bien évidemment. Donc, un autre dossier sur la ville. Oui, oui. L'affaire identification de véhicules par le gouvernement provincial de Kinshasa. Est-ce que ces mots sont les vôtres? La numérotation qui était faite sur le véhicule avant notre mandat était fantaisiste. Très bien. Ces propos sont les vôtres? Oui, oui. Expliquez-nous, professeur. Je vais vous expliquer. Lorsque nous sommes arrivés, j'avais demandé à l'hôtel de ville d'identifier le véhicule, notamment les motos. La première question que j'avais posée, c'est qu'on devait se référer au répertoire qui existait. Et n'oublie pas que dans les services de la ville, jusqu'à ce jour, nous avons des gens qui avaient travaillé avant. Ce sont ces gens qui viennent nous dire que les répertoires étaient quasi inexistants. Ça, ce sont les services qui font ces rapports. Ils disaient que ces rapports-là, ces numéros-là étaient attribués comme ça. Il n'y avait aucun rapport. Il n'y avait aucun répertoire qui pouvait nous aider à identifier les services. Alors nous disons, bon, avec l'insécurité, nous devons reprendre l'identification. Mais je l'ai dit, sur Top Congo, j'ai dit que s'il y a des gens qui sont convaincus, qu'ils étaient déjà immatriculés, qu'ils viennent me voir, je vais plaider leur cause pour que la réidentification soit gratuite. Personne n'est passé. Pourquoi? Parce que moi, je les avais piégés. Au regard de l'état de nos routes ici, les véhicules type Ketch et 207 ne peuvent pas tenir pendant 2 ans. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez amener votre véhicule qui était déjà identifié, moi, j'allais fouiner au niveau de la DGI pour savoir à quelle date vous avez immatriculé. C'est là où on les avait bloqués. Et là, personne n'est venu. Personne. Je parle dans les médias. Je suis passé moi-même sur Top Congo. Parce que les gens pensent qu'insulter, mentir, c'est une vertu. Non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Alors, comment vous faites pour réussir tout ça? Comment faites-vous pour réussir à déjouer tous ces plans? Non. Moi, mon problème, c'est que dans... J'ai passé quand même plusieurs années à l'université. Mais beaucoup de gens ont passé plusieurs années. Et maintenant, tu sais que des fois, toi, tu fais partie de mes conseillers. Quand moi, je suis dans un domaine pour lequel je n'ai pas de maîtrise, vous demandez les experts. Je convoque les experts. Exactement. Mais ici, ça tire dans tous les sens. On a pris les Quinois et Quinois pour les imbéciles. On croit que quand on a déjà menti, ça va passer. Non. moi, je suis l'enfant de Kinshasa. Et vous tous, vous m'avez suivi dans les médias. Oui. Avant que vous ne veniez, moi non, c'est pourquoi. Nous sommes en train de faire aussi dans les médias. Bah oui, ou à Balobi, comment ça la loi à Kinshasa. Bah respecter le code de la route, bah respecter bateau, bah la protection. Mon côté, président et assemblée provinciale, élu na biso à Kinshasa, à l'Obini. Bon, au moins, bateau, balingi ko sakana na bande kona biso na bawe. Ngana sur la gana bango. Nabawe wawana, ba licencié Bazali, ba gradué Bazali, ba ancien chef d'entreprise Bazakuna Nakati. Mais tant que Bazakola qui s'abawe, et ça le kona ba seize mouvement. Et contrairement à Obatwaza Okanisa, Nabawe wabi colonio se zali, ngaïne moutraza Okambakisa, sa naïma kamonazo. Batuba Kanisa kebawewa, Bazali kaka, Batuba Outa, kote mouro boye, bande kwa président, foye a chifo. Bikolo nyonso bazalingana sekisayo. Mokolo moko ndeko moko muluba wewe amemiye. Bazole kaliboso ya biro na ngai.
bakomi pembe nyana ayibisi wewa wana na chiluba ke kitisangai wewa azamulu bate ayogi makabazo elle est kiné bakke se retrouver côté à gachanta du quoi a passelé et donc a bani otombora na chiluba mais wewa ayibisi baba mangamozo lo ba nazo kate nazo kate donc na ba wewa wana bande kunanga basuku bazali bamongo bazali bashi bazali makatange bazali donc ya kongo mobi mais est-ce que alors yoka na ibisayo Tozali ko kenda na bango malembe malembe. Bande kwana bazali ko sunga biso transport ezali pas exactement. 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 Et puis bazali ko nyoko la bango mingi. Exactement. Basa pe na mbongo ngote omoni na na makambo apako. L'impôt juste doit être indolore. Elinyo loba tango na zo futa apako. Na yoka pasi na ngote. Oui. Atona bazana bozu mingi te tango ko ya otile babilo ka ba 203 avo za wa ngata e bi msu ba moteli bango ba moto yango tozali ko moteli mwe tozali ko yekola na bango awa nazali ko loba na ministère de transport structure moko ezali ko tambola po to mona ndenge nini il faut bango pe ba kota na circuit normal en fait dans ce pays nous avons besoin d'un droit appliqué et non d'un droit applicable. On a terminé ce débat, pasteur. On attend qu'il livre na yo. Ouais. Qui est belé, ma question est belé maintenant et comme il se souka. Il y a un facteur perturbateur, il y a monnaie. Mais on a résumé, on est là comme moi. Je suis retenu dans le vie, Christian, expliquez Bissot. Pour la nini, on a un bon, on a un bon, on a un bon. Tout ça, il y a un aéroport, on a 20 000 francs à billets, il y a 18 000 francs. Alors, tu dis, mais on a un bon, on a un bon, on a un bon. Donc, il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps. Ok. Oui, il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Parce que les amis, donc, c'est ça. Pas si il y a un mot solo au Congo, il y a un peu de temps. Oui, il y a un gouverneur de la Banque centrale dans la CECAC. Parce que le vrai gouverneur de la Banque centrale du Congo, c'est à New York. Ok. Donc, le gouverneur de la Banque place dollar et haute à rater. Mais dollar n'est mon cousin à gâter beaucoup. Yango et Sengelet et Nengé au Tangaki na gâte na Mokana Nangai na Lobakete, Makambo et Zako Bibi Samosolo Mabiso, Mazal Massatu. Yambo et Zali Lolenga économie na biso. Tozana économie mo convexe. Donc, l'okola économie na biso, nous sommes le seul pays qui produit ce qu'il ne consomme pas. Et qui importe ce qu'il consomme. Et Zali passe pour stabiliser Mbongo Nabiso. Soko Libanda Makambo Zali. On a qui Kolobayami Balé. Et Zali Makambo balance les paiements. Les lots, je crois que même Mouta Balabala, non, soyez bi. Soko balance Nabiso, il y a paiement, il est commis des déficitaires. Malamoko Mbongo Nabiso. Et Lali. Il y a Souka. Ezali lolenge kambisme na biso ezako sala ba kambisme bazali komase ko brasse ba kantita mosolo o ezali ko échapper na contrôle ya banque centrale. Alors yango nde ezako sala ete mbongo na biso pona ko vandisa nango pe ko vandisa ngoma ka ezala stable ezala na mwa kokoso. Alors solution pour na kosili sa makambo non sona esengelete to bongisa production na biso parce que mon solo ezali symbole ya kitamboka ezate ndenge na mona ki mama moko zo bisanga na nzela lobi ah papa ba cause na biso mo te ma be mbongo basala kango ka pemeni na villa na hotel de monnaie bo sala bo futa biso te ezaka ndenge wana te donc pour basala mbongo il faut toyeba ke to produire combien transaction pour esala malam donc mon tango batino so basala ka ba mbongo wana to benga ngona lo poto PIB bakopé ça en temps si capo mbongo na biso ezala na stabilité il faut mon solo ezala ko tambola ezala pe proportionnel na production auto salat yango esengelete awa inyo sacré yé batu nyonso baye ba ko kuta ko produire davantage yango naza ko yebisa na bato mona ki bazako kotuka ngana ba media ba lobi ngana za moto ayo sacrete il faut na longana na longa na longa ke na mokolonza ba kolinga na longa na kolonga me kolonga nga ka bongote
Tala na année passée. Parce que batwana ba ko selanga makambo mingi. Oh yaza moto ya Union Sacrée. Union Sacrée ezali kolata kalikote. Union Sacrée ezali motema moto. Ngai naza koloba ngo na mboko yo depuis élection ya 2018. Soki za na batu 5 basala kolandisa vision ya président Fati nga na moto ya liboso. Sans fausse modestie, tout n'a pas bateau, pas ibi gestion, pas bien, mais ça a mené la révolution gestionnelle dans ce pays. Mais au plus lui, moi, au Kangasou, tout est. Non, non, non. C'est-à-dire que bateau, vous avez diminué à Zagasou, c'est quand ils ont monté, j'étais, ils ont agi. Quand ils ont monté, il faut y avoir un dossier. Mais c'est quoi le dossier? Tout va comme banga banga. Ah, bateau, tout le monde, Zolenganaï. Vous comprenez? Très bien. Naïbi, ça y est, pour na l'oral, na badongolo, miswana. N'a n'a moins la distance. Mais au tout, n'a pas de problème. Toi, la souka. Mais, naïbi, si yon, n'a n'est passé, n'a moins de mains, le combongo, n'a bisou, et zako, qu'on perd de valeur au jour le jour. Mais bâton, le lobaza, qu'on l'a d'un président parti, béton. Bah, si ma bongi, ça qui déjà, qui bat ton mot qui s'appelle, bah, le baka yende moutoiseau, yé bako gérete, mbongo, yamoz aussi la valeur, bah, l'ongolaye, n'est salaman à ma grève. Mais il y a des gens qui ont média na expliqué que le bébé ya mbongo ça n'a rien à voir avec le président Fati. Il y a un peu Mabi Mulumba. Oui. Vous avez recadré l'opinion. Est-ce que. Il y a un peu de Tchakimia. Bon, on peut aller à Mibi. Il faut que je ne sois pas. Il y a un sacré zara moté. Il y a un peu de Oyo à cause de la pône à bonheur et à Congo. À cause de la soutien. Tout ça. Pour la monnaie de président Fati. Azali Kosala pour abonner la Congolais, Azana soutient. Tout ce qui est mission, mais cravate, on est né à jaune. Mais il fallait quand même au bandana. Oui, né à jaune, veste écoutée aux couleurs à jaune, chaussures jaunes, chaussettes à pembe, pantalon pembe. Mais on te dit, mais Babi, parce que vous avez ma couleur. Non, Kala, Yokana, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Oui, mais ça, ça ne connaît pas à demander. Batou, Balini, Koloba, Makambo, Bango, Baïvite. Ngaï, Moninga, Nayo. Nazo moi chance na vie nangai na cursus nanga na landa cours de philosophie morale. OK. Vous comprenez? Kuna ba ko yebiso tina ya likamunyoso yesa magana mokini. Kuna ba ko la biso différence entre morale na éthique. Parce que bazaba ndekote. Alors, okomona na volé o ya morale vestimentaire. Ba ko la bisayo ke l'accoutrement obéit aux conditions climatiques, racial et culturel. Parce que oui, oui, là. Nanda, c'est tout ça, là. Donc, c'est-à-dire que, quand on a équipé le climat, il y a un bateau. Quand on a un porteur, il y a une couleur dans la magasette. Mais le col est africain, il y a un bon mot tout raté. Il y a un bon mot tout raté. Il y a un bon mot tout raté. Parce que il y a un bon mot tout raté. Mais biso tozana hiver avante ndenge moyi ezako bima boyi soko latino yango omona kate bato ebele o balata ka basenglé ya synthétique soko autre côté ya bien ya autre côté ngisa ayoka mokusa na nzoto ce sont des choses scientifiques donc la congolais ba ebise ke o nyoso mundela za ko sa eza malamu ye fala nda yango na kutana ki nande ko moko na 12 la latte à la assemblée à cuir na venue du commerce. Oh, cuir na moi ken na. Avec ça le pasteur ndenga na zabo na télé makasi. Habité hôtel makasi té. Hôtel impété. Donc, non non so wana, et ça lui ko jouer. C'est-à-dire que biso na Afrique soko ba ndiko la ta ba noir wana. Et ça mala monté pour na nzoto na yo molungé ezoleka. Donc oyo kasi. Kasi na yebi ça hôtel. Tala ba pays nyo so oyo ya ba pays arabo baza côté ya désert. Bilamba na bango za ko baye pembe. Dans le Congo, le col a moyen de m'agamer. Il faut dans un moment pour me poser de respirer. Na bas, ça peut na bas moi fleur pour na esthétique. Voilà, c'est quoi la zone côté na bas ma couleur. Ma couleur c'est quoi? Mundele soka lati noir, y a zapembe, ça se marie. Mais mon tout monde le col en gabo, soka lati noir, bon mon agamino. Donc c'est pourquoi il faut dans un moment moi couleur donc entre éthique et esthétique. Mais vous frappez, na bas. Yo kanai, ça n'a rien à voir avec la gestion. Ya ya. Kenda na Japon. Ngana sina assistant na conseil des ministres moko na Japon pour qu'on se fête un mariage. Mais Japon a un défi sans bon on a ba américain. En termes de puissance, le Japon c'est la deuxième puissance budgétaire après les États-Unis.
Ça n'a rien à voir. Quand en Afrique de l'Ouest, Babdou Diouf, Babanda Rolata, Balata, Babou à Pembe, il y a jaune, il y a couleur, il y a bleu. Sénégal, les Agotam, Madame Koulika Congo. Luka, photo, il y a Kadhafi, parce que n'a pas de botama guité. Kadhafi, Abanda Rolata, toujours Babilo, comme couleur. Luka, papa, n'a pas de maréchal Mobutu. Talababa Kosna, il y a Beta, papa, frère. Donc c'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Problème est Zali Batou Kozanga Koyeba. Il dérange à côté de l'Ouarake parce que vous avez vu la tête. Non, non, bah, c'est aïe d'apprendre, le contraire. Bon, on est pas écoulé. C'est aïe d'apprendre. Il y aura la sexe. Mais la vie, je sais taper mes balata. Il y aura la vie. Babika, il demande des balata. Je sais taper mes balata dans la cérémonie. Il y a des gens qui ne connaissent pas à demander. Vous avez vu la langue de la banane. Ils ont un service de la langue. Moutoumoko. À ton arabe, ma salle à ma son aïe, moi côté mon robot, il y a le bois. Il y a Zali Kaka, modéliste, modéliste. Bah, à Solonina, mon tonanga, le bon nom, il faut n'avoir ton gélaïe, n'aïe, c'est papa. À l'ouvrage, ma clé, n'aïe pas mon sou. Donc, ça n'a rien à voir. Et Zali Kesso, il y a goût. Et par contre, bateau, bazan a problème, mais en gaïté. Bateau, bazan a problème, mais en bateau, bazan a tabi la pirate. Donc, il y a le bon. Il y a le original. Tu as un problème. Il y a qu'on détruit les gens qui ont piraté. Donc, tout le monde a fait façonnable. Il faut Ralph Lauren. Donc, tu as douane, tu as tout. Quand il va penser, donc, il y a un raté. Merci beaucoup, Pasteur Godé. Je crois que nous avons du sous. Il y a un raté. Mais bon, on a un raté. C'est ça l'ambiance de notre émission. La bonne année aussi. Merci. Merci beaucoup, Nobani Balanda Kibiso. C'était un grand plaisir pour moi de recevoir le professeur. Professeur Monique Nobakina Katia Moulungé, ça va casser. Je crois que. Non, c'est qui m'a cassé, vous photo que nous goûtons à ma fan club. Excellent plaisir. Allez, merci. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir. Moi, j'apprends beaucoup quand je tourne cette émission avec le professeur Pasteur Godempoi. Ça a toujours été un grand honneur. Et président de l'Assemblée provinciale. Et dans l'autorité, Moussoussou Oyo, Babo Yarakouya, dans l'émission, parce qu'il y a une réponse. Mais le seul ou la seule autorité, ou sur Bengi à l'émission, d'abord, il te dit il y a besoin de questionner en haute. Prépare tes questions, il y a une émission. Donc, ça a toujours été un grand honneur pour moi de voir la première autorité de la ville de Kinshasa venir participer à une émission, répondre aux questions de façon libre. Donc, la pasteur Godé, en tout cas, merci Minginae. Merci Nabato Toubala Nagibiso. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Pour comprendre, Mawa, va congolais. Où allons-nous? Où allons-nous?
Bona Colia na Pino Moko, Babone Radino, Colia na Aperti. Congo.